Salut à tous et bienvenue dans mon atelier. Bon alors je sais, ça fait déjà 4 mois que je n'ai pas publié de vidéo, mais j'ai une superbe excuse. Je suis papa. Bon, j'étais déjà papa d'une petite fille, mais là, cette fois-ci, je suis papa d'un petit garçon. Et c'est trop cool. Enfin, sauf pour mon emploi du temps. Disons que c'est assez difficile de bosser dans l'atelier, de faire du contenu, d'aller bosser et en même temps de s'occuper des enfants. J'arrive pas à tout faire, mais bon, ça va bientôt arriver au mois de septembre, car le petit, ben, il va chez la nounou. La petite, elle va à l'école, madame reprend le travail, et donc j'aurai vachement plus de temps au mois de septembre pour pouvoir refaire du contenu pour YouTube. En plus, j'ai plein de projets qui vont arriver, c'est vraiment super cool. Alors comme projet, il y aura la toiture, ça je vous en avais déjà parlé au mois de janvier. J'ai un peu bossé dessus, j'ai fait un petit croquis, un petit plan avec les différents assemblages que je vais réaliser. Ça va être top. Aussi, et ça c'est bien, j'ai fabriqué ce petit présentoir pour bouteille. J'avais déjà fait une vidéo il y a pas mal de temps, mais voilà, donc c'est juste un présentoir qui tient en équilibre la bouteille. Donc ça, à partir du mois de septembre, ça va être commercialisé dans plusieurs magasins, ce qui va être pas mal. En plus, ça va faire rentrer un peu d'argent pour pouvoir acheter d'autres machines. J'aimerais bien une scie à ruban, ça serait vraiment cool. Bon, alors je suis vraiment désolé pour cette attente, hein, mais je sais, c'est impossible pour l'instant de pouvoir réaliser du contenu. Alors je vous demande encore un peu de patience. Et bien voilà, c'était juste un petit vlog pour vous dire que la chaîne continuait. J'ai déjà tourné un test de machine, c'est une tondeuse sur accu. Donc ça, vous le verrez, j'espère, pour la prochaine vidéo. Je vais essayer de monter ça tout doucement. Elle est vraiment bien d'ailleurs. C'est pas sponsorisé, rien du tout, je l'ai acheté moi-même. Comme ça allait bien, je me suis dit bah, autant faire profiter. Alors c'est pas du tout machine d'atelier, mais voilà, c'est de marque Makita et ça fonctionne bien, donc pourquoi pas vous la présenter. Bien voilà, abonnez-vous, likez, commentez. Ouais, commentez un maximum, ça serait très bien ça déjà. Bon, bah, sur ce, je vous laisse.